Mon œuvre représente les plus hautes et les plus importantes tours de l'humanité, commençant par la pyramide de Khéops, puis finit avec Burj Khalifa. Je veux aussi démontrer aux gens l'évolution de l'architecture à travers les siècles, les différents styles et la signification du mot grandiose pour les civilisations à travers les époques. Alors commençons par les pyramides de Khéops. Je les ai choisies car elle est la dernière des sept merveilles du monde. Ensuite, la statue de la liberté. Je l'ai choisie à cause de sa signification. Elle signe la paix entre deux nations, soit la France et les États-Unis. J'ai aussi choisi l'Empire State Building à cause de son architecture très moderne. J'ai pris la Tour Eiffel grâce à sa popularité. Après, nous avons la Tour de Siem, qui a été longtemps la plus haute tour au monde. Après, il y a SWFC, qui est la tour du commerce de Shanghai. Je l'ai choisi à cause de son architecture qui est basée sur la vitre. Et la dernière, Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. Je l'ai choisi non seulement parce qu'elle est la plus haute, mais bien qu'elle a requis un génie civil énorme.